Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo best-of d'action sur League of Legends. Bon visionnage. Ok, bon, je pourrais prendre le dardeur en backant, ce qui me permettrait d'avoir les délais de récup et de préparer même la Trinité. Est-ce que je pouvais pas un V2 lui ou. Bon, je suis un peu deck pour la vie, je vais pas vous mentir. J'avais clairement moyen de la prendre. Mais bon. Non mais je suis bien moi. En quelques coups de buveux, je me remets full PV. Je vais juste tomber le top en fait et je back ensuite. Ok, là j'ai les 45% de délai de récup. Ok, alors là le 1v2 par contre cette fois-ci. Clairement, je vais pas le manquer. Bon, j'ai pas fait les deux kills, mais c'est pas tellement loin. Le truc c'est que j'ai pas de vision sur Qiyana. Ça peut tomber très très vite en face. Hein. Elle, typiquement, je la mange. Hein. Je sais pas vraiment si elle est au courant. Non, alors sans le stun, c'est bien aussi. Hop là, voilà, les champions feed, je les éclate en 1v2, y'a aucun souci. Hop là, bam, ça tombe. Elle tombe aussi. J'y vais, de toute façon là je suis à un stade. Je suis dans l'IS life. Voilà, putain, si on avait un Lucian, si on le remettrait, ce serait un délire. Oh, putain, il est presque tombé, je suis deg. Elle est presque tombée. Ok, je peux. Je sais pas si j'ai envie de fight, mais je peux prendre la tour direct. La stun, je la termine. Ok, même pas, j'ai même pas pu la toucher. Si on la termine en vrai cette game. En vrai, avec ma buveuse, je défonce les objectifs là, les tourelles et les inhibs avec une violence. Si on gagne ça, les gars, je suis un monstre. Hein. Je m'en fous! Je m'en fous, on a fait des trucs stylés. En vrai, il faudrait que je puisse mettre une petite TP. Je rush sur l'inhib avec l'ulti, ce qui me réduit encore de moitié le délai de ma buveuse. Et là, je peux faire des trucs. Ok, j'ai le visage spirituel. Je continue à farm tranquillou. En fait, quand on essaie d'y aller, là. En fait, il faut une ward. Allez, et de 1. Et de 2. Faut pas que je crève, faut pas que je crève, faut pas que je crève. Je voulais mettre une ward, ok, y en a une qui a été mise. C'est morte. Non! J'y croyais. Il faut pas que je crève, c'est beaucoup plus rentable pour moi de survivre que de crever. Je vais mourir. Non! 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 Ah! Non, je suis tellement triste. Je suis tellement triste. C'est pas fini, hein. Eh, vous la voyez, la petite ward, là? Regardez. Tac, la petite TP. Faut juste pas qu'il termine. Allez, allez Lucian, va def, s'il te plaît. On est mort encore combien de temps? Pas si longtemps que ça, hein. Vas-y, Kassadin. En vrai, j'aurais peut-être dû rush tout à l'heure. J'aurais pu faire des kills, hein. Non mais non, à ce stade, c'est beau, ce serait quand même trop triste de se rendre, quoi. Là, on se bat au bout. On y va avec l'honneur, au moins. Ah, vas-y, Jax, tu peux le faire. L'AMF, très bien, bon focus. Oh, si j'arrive à aller faire la petite TP là-bas haut. Def. Oh, ça va le faire, les gars. L'ignim, il va pas repop tout de suite. Presque. Énorme. Je suis une machine. Je suis une machine. Je vais simplement prendre ça.
et éventuellement venir me battre avec ma team. Là, je pense qu'il y a quand même besoin. J'ai l'ulti, j'ai moyen de faire des choses. Allez, le GP, je sais qu'il est un peu chaud. Ok, ça c'était pas trop mal joué pour le coup. Il faut attention que, il faut que je fasse gaffe à pas partir en avant comme un fou. Et il faut que je reste bien avec les carries pour les protéger au max. Alors en fait, toi t'es mignon, mais du calme quand même. Hop! Hop là, coup de buveuse qui est parti sur la Diana. Bon, j'ai essayé de trouver le bon compromis quand même pour aller... Ok, bah je commence à mettre des coups de buveuse qui achèvent tous les ennemis. C'est tout ce qu'on aime. Ok, j'ai pas pu achever la tourelle à la buveuse, c'est dommage, ça m'aurait fait un stack. Là, par contre... Mais c'est incroyable que je puisse pas me le faire en 1v1 ce fou là. Ah bah quand même! Bon, voilà, j'ai bien compris que j'étais mort. Alors en fait là lui... Pour vous faire un petit topo de la situation, mauvaise idée de venir me test comme ça. Toi pareil hein. Là en plus j'ai la Trinité. Ce qui me fait quand même beaucoup de vitesse de déplacement en plus. Trinda, tu veux prendre la même ou commencer? Alors je me fais... Ok, merci Vayne de m'avoir mis en arrière comme ça. Ok, je ne sais pas où sont les adversaires, je ne vois rien. Hop là, ça c'est du Nasus, ça. Tu crois que tu vas m'avoir? Bah non, je te mets deux coups de buveux, je suis full PV. En plus là j'ai une Lulu pour le coup qui a fait du bon taf. GG Lulu. On a un Drake, décidément. Est-ce que ce serait le retour de l'espoir de victoire? Oh, comment j'aurais dû y aller? J'aurais dû y aller. J'ai été nul. Ok. Oh la Lulu elle a fait des trucs mais j'aurais pas dû back en fait, c'était good là. Je suis en mode j'ignore vraiment la Syndra, on est sur un manque de respect absolu. Moi je veux juste farmer en fait. Alors par contre lui, là cette fois-ci, c'est plus pareil. Je suis un peu plus chaud. Tac. Hop. On a un Nasus qui a rien fait de la partie. Et là qui. Oh non! Je lui mettais un coup, elle était morte. Je suis deg. Oh, je commençais à me sentir pousser des ailes. Je commençais à sentir mon ego qui revenait. Et non, je me suis fait calmer magnifiquement. Peut-être un split push au bot, ou alors aller check la jungle adverse. Alors, par contre, toi, je sais pas pour qui tu te prends, mais je suis dire en fait, donc ton 1v1, tu te calmes. Non, putain, je suis pas sérieux de crever comme ça, là. Ok, ouf. Je me serais fait choper, j'aurais ragé un peu. Alors toi, mais je vais tellement te calmer. Mais si tu savais comment je vais te calmer, elle va sauter, elle va sauter. Allez, bam. En l'air. Je fais du tir au pigeon. Nickel. Ils ont envie de perdre ou commencer? Tu te calmes, toi tu arrêtes. Voilà. Hop. Je suis passé dans le... dans son... ça doit être son E je crois. Juste avant que le... il soit actif en fait, il y a un petit temps d'activation et je suis passé dedans pile au timing où je l'ai pas pris. Ah, il faut que j'aille empêcher le Teemo d'aller choper les tourelles. Je sais pas, la prise de décision, est-ce que j'aurais dû rester avec la team? Ah, bah là, oui, j'aurais dû être avec la team. Bon, je suis parti, je vais aller au bout de la démarche, mais... ça aurait été bien. Oh, il fait chier ce Teemo. Allez, avance, Udyr. Putain, il avance plus vite que moi, j'y crois pas. Non, j'avance plus vite quand même, mais... Il va me mettre un petit champi. Ah, ça rend fou, ça! T'es pas censé pouvoir tracer un Udyr, hein.
Mais MDR, le putain, le haclic quoi. Qui part sur le champi, je l'avais là. Je m'en fous, je peux le choper hein. J'irai le chercher au bout du monde s'il faut, mais. Ah là, là c'était une question d'honneur là. Ouh, on a fait ce genre de marathon. J'ai plus le bleu. Je rêve, j'ai plus de mana. J'ai plus de mana, mec. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais mec. Putain, avec du mana, je l'ai ruiné, mais. Je stun tout le monde, moi. Putain, le pas de mana me rend fou, j'avais 3 kills là. Sans mana, je peux absolument rien faire, hein. C'est pas, pas de la mauvaise foi, mais vraiment là. Oh la belle cage. C'est magnifique. J'adore vraiment ce perso. Hein. C'est bon, c'est mon nouveau mec préféré. Alors par contre mon petit Skarner, t'es mignon, mais comment te dire que va falloir que tu te calmes quand même. Je suis Olaf. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. La tourelle rouge a été détruite. La tourelle bleue a été détruite. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que je suis attentif à organiser mes vidéos en playlist thématique que vous trouverez facilement sur ma chaîne. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, le lien est en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.